Et salut à tous, c'est Benjamin. Cette semaine, la vidéo, c'est sur l'intercept, le passage de l'intercept. Donc, je vais vous emmener avec moi pour que vous puissiez voir le travail que je réalise dans la vigne pour enlever l'herbe toujours sous le rang de vigne, donc c'est-à-dire entre les ceps. Voilà, donc je vous montre mon outil qui est derrière moi. Hop là, le tracteur déjà, le fen pour commencer. Je tourne la caméra. Hop là. Allez, le fen 209F qui a maintenant sa deuxième campagne. Ensuite, l'intercept, donc c'est la marque Bellhomme. Ici, vous avez les disques moteurs de la marque Clements, disques moteurs double, parce qu'il y a deux disques sur les moteurs, deux disques moteurs. Là, vous avez les boîtiers réflexes de chaque côté, côté droite, et réflexes côté gauche, qui animent les disques Speedway. Donc tout ça, c'est Bellhomme. Ensuite, le cadre, c'est un cadre extensible hydrauliquement. Vous avez le vérin hydraulique pour le côté gauche et ensuite le vérin hydraulique pour le côté droit. Donc tout ça, allez, ça, c'est parti, on y va. On va dans la vigne, on va voir en condition réelle avec un petit peu d'herbe sur le rang. Bien sûr, c'est notre premier passage d'intercept de l'année, donc ben, vous allez pouvoir en juger par vous-même par rapport au travail que ça réalise. Allez, c'est parti, on y va. Allez, je me mets en place dans la rangée là. Hop, je tourne, je fais ma tournière. J'ai programmé mon relevage automatique sur le joystick Go End, mes boutons Go End. J'active l'hydraulique sur mes speedways. Derrière, je me centre dans mon rang. Hop là, je mets un peu de dévers sur le côté droit parce que la vigne penche un petit peu à droite. Allez, j'active mon régulateur de vitesse. Ma vitesse de travail est de 7 km/h. Ça se fait plutôt bien. Allez, j'arrive au bout de ma rangée. Je coupe mon régulateur de vitesse. J'appuie sur N pour lever mon relevage et je fais ma tournée. Voilà.
Ok, là je viens de faire un passage dans la rangée où je me trouve et je voulais vous montrer le résultat directement avec la caméra. Allez, là c'est très satisfaisant, l'intercept se fait super bien, c'est pas trop gras, c'est pas trop dur, c'est vraiment le top. Et voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essayerai d'y répondre le plus précisément possible. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à la prochaine.